Alors, nous sommes aussi des grâces ruines tombées dans le lac. Nous sommes ici, près de l'académie de Raya Lucaria. Ici, vous avez la cabane aux crevettes bouillies. Là, vous avez les ruines de Laskiar. Là, la rive sud du lac de Lurnia. Ici, la grotte aux eaux stagnantes, les falaises surplombant le lac et Godric le Greffier. Alors, je vais vous montrer un scarabée qui pend sous un pont, ici. Alors, je vous conseille de prendre un sort d'attaque à distance ou une incantation d'attaque à distance, histoire de pouvoir le dézinguer rapidement, parce qu'il va tomber en plein milieu d'un monstre qui balance du poison. Donc, je vais vous montrer où il est. Moi, je vais équiper l'incantation Explosion Exaltée, qui permet de tirer très loin. Et donc, je vais vous montrer ça. C'est là-bas. Donc vous allez vraiment comme ceci, plein nord. Alors soit vous dézinguez d'abord ceux en dessous qui génèrent du poison. Donc je vais vous montrer, par exemple, ceux-ci. Je ne connais plus leur nom. Soit vous les dézinguez d'abord avant de faire le scarabée qui est au plafond là-bas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ceci. Comme ça, vous ne serez pas embêté par le poison. Voilà. Et le dernier là. Il y en a encore un. Il y en a encore un là. Voilà. Bon, maintenant, on est tranquille. On a fait le nettoyage. Il n'y en a plus. Et vous pouvez vous occuper du scarabée là-bas. Alors, j'arrive pas à le viser. Je sais pas si c'est normal. Est-ce qu'il va tomber quand on va passer en dessous? J'arrive pas à le viser. Ça, c'est étonnant. Alors, il va peut-être falloir utiliser un arc finalement pour le faire tomber. Donc, oui, on va utiliser un arc. On va s'équiper d'un arc. Je prends l'arc à poulie, c'est celui qui tire le plus loin dans mon cas. Donc, je prends l'arc à poulie. Je vais l'équiper à la place de mon bouclier et on va viser tirer. Voilà, comme ceci. Voilà. Et maintenant, on va le taper. Et voilà. Et vous obtenez les cendres de guerre charge. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.